Yolé! Non, c'est pas Latiou, c'est Platypus. Et on se retrouve pour une petite vidéo de Realm of the Mad God, comme on a déjà fait une ou deux. Et j'ai vu qu'ils avaient fait une mise à jour, donc je me suis dit, oh cool, ils se sont fait... Non, désolé, petit problème. J'ai regardé, waouh, c'est new, c'est pas comme avant, c'est beaucoup plus beau. Je me suis dit, bah, bonne idée pour recommencer à jouer à Realm of the Mad God. Donc, c'est parti. New Ninja Pack, vous voyez, il y a des news, c'est tout nouveau, c'est tout beau, et non, ne regardez pas mon navigateur. Ringcat, character skins, non, c'est encore sur internet, bon, désolé. Allez, hop, on se fait un nouveau caractère. Alors, un nécromant, un assassin, un warrior, un archer. Qu'est-ce qu'on va bien se faire? Un assassin. Qu'est-ce qu'on va bien se faire? Un nécromance. Ouais, un nécromance. Allez, play, c'est parti. Ouah, le spawn est beaucoup plus beau qu'avant. Allez, bon, ben c'est parti, hein, comme je disais. Alors, les petits magasins sont toujours là. Ah, et ça coûte toujours de l'argent. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui coûte du vrai, enfin du faux argent, enfin de l'argent au jeu? Ça coûte du fame, tout ça. Toutes des petites potions. Ouais. Quoi ça, orange avec egg? Oh, un backpack! Ah ouais, mais celui-là, évidemment, il coûte pas de l'argent, il coûte de l'argent comme ça. Oh, j'aurais aimé, il a l'air cool. Alors là, les petites clés. Mais ça coûte aussi de l'argent, je regarde un peu. Voilà. Je redécouvre en même temps que vous, vous découvrez, si vous me suivez pas. Oh, un green penguin, j'aurais tellement aimé. Un crabe. Oh, je peux acheter aucun petit familier. J'aurais tellement acheté un pic, ouais, c'est tellement mes pics. Un vieux cochon. Ok, bon, ben on va un peu encore. Eh, hey, il y a un nouveau truc, il y a les stats. Ah, ok, les stats et l'inventaire. Ah, c'est plus clair comme ça, j'avoue. Alors, le hall des guildes, il est toujours là. J'aime bien ce mode Noël, c'est beaucoup plus sympa. Plus convivial comme ça aussi. Ouais, c'est toujours comme ça qu'on tire, hein. J'ai pas perdu l'habitude, vous en faites pas. Alors, le hall des guilds, ouais, il est sympa encore. Ça coûte... Ah ouais, ça coûtait 1000 de fame, ça je m'en souvenais plus quand même. De se faire une petite guild comme ça. Allez, hop. On va un peu continuer, hein. Où est-ce qu'on va? Ah oui, je voulais aller voir aussi dans mon... Dans mon petit vault, je sais pas ce que vous avez dit. Franchement, j'ai aucune idée. J'avais plus rien d'intéressant d'ailleurs. J'avais un petit familier. Oui, c'est ça, il est un petit. Il a jamais rien dans ce cas. C'est trop nul. Et voilà, un petit familier. Youpi. Hop, on le remet là. Potion of speed, non, mais en fait, il n'y a rien d'intéressant aussi. Ah, j'aurais dû prendre. Ninja T6, voilà. Oh, j'aurais dû prendre archer. Oh, vous savez quoi, on va se prendre archer. Donc là, ah non, il faut que j'ai rien sur moi. Non, le petit familier, il retourne là. La petite potion aussi. On va se prendre archer, comme ça on aura un super arc. Mais, on va la mettre là. Mais, non mais... Ok, je peux pas la mettre là. C'est quoi ce truc? Oh, chain skin, on peut changer de skin. Ok, bah en fait, j'ai pas droit à d'autres skins. C'est très gentil, mais. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est le hall de Maggie. Ok, bah on va se suicider un petit coup alors. C'est bizarre, mais. Comme ça, on va pouvoir prendre archer. Et on va tous les défoncer. Youpi! Y a pas un portail? Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Allez, tue-moi, petit pirate. Ah, le pirate veut pas me tuer, on dirait. Non, vous savez quoi, ça va être plus rapide si on se téléporte. Ici. Voilà. Oh non! Je suis mort! Ah zut!
n'est vraiment pas ce que je voulais. C'est terrible, mon Dieu. Et le jeu bug, car je ne peux plus rien faire, et donc je vais faire une petite ellipse. On se retrouve après. Voilà, on se retrouve. J'ai juste remarqué, regardez, un truc sympa ici. Il y a par exemple, on peut prendre ça, Rome, on peut prendre Rome. Attendez, hein, je regarde un peu. Prest, on peut prendre lui, etc. Et l'archer, on peut prendre Robin des Bois. Vous voyez, il y a un deuxième skin assez sympa. Dommage qu'il coûte super cher. Ben, on va prendre ce petit archer. Allez, c'est parti. Hop. On va se chercher notre super arc, overpower, machin, tout ce que vous voulez. Juste ma fenêtre, elle est une forme bizarre. Voilà. On met comme ça. Allez, on va remplacer. C'est ça. Bon, on s'en fout de ce machin stupide. Juste, il n'y a pas d'autres skins pour lui. Ouais, il coûte super cher. Allez, hop, on y va. Ça c'est la puissance. Un arc de feu comme ça. Oh oui, oh non. Oh oui. Un ring. Mais il est trop pourri. Je le veux pas. Allez, c'est parti, on va enfin commencer un peu à jouer. Limite, il reste presque plus de temps de vidéo là. Pourquoi je peux pas tirer? Ah voilà, j'ai ma première quête de mon petit personnage. Tout mignon. Regardez comment je les défonce déjà tous. Par contre, faut faire gaffe à ma vie parce que c'est pas parce que j'ai un arc super puissant que ma vie elle est super puissante. Voilà, fais gaffe. Voilà, et vous aussi vous faites gaffe, ok? Sinon ça va aller très mal. Non, mais je veux pas votre truc, il est trop pourri là. T5 quand même. Ah, bah justement, c'est ma quête. Youpi, level up. What is that? Un truc trop nul que je veux pas. Aïe, je me fais attaquer. Enfin, évidemment, je me fais attaquer. C'est un peu le but du jeu qu'on se fasse attaquer sans arrêt, sans répit. Sauf qu'on est au Nexus. Allez, c'est parti. Nous, on va vous déchirer. Et on va juste faire gaffe à pas mourir parce que ma vie, elle est encore très faible. Déjà, on va s'occuper de ce petit nain là. Et ce petit serpent un peu chiant. Un ring de vie. Oh, ouais, ça m'intéresse. Voilà, merci. Tu vas te calmer, toi. Et où notre quête? Ah, ok, quelqu'un a tué notre... Ah non, elle est toujours... Elle nous... Ouais, voilà, c'est ça, meurt. Je fais la blinde de dégâts, notre arc. Ouais, mais... Arrête, tu m'énerves. Tiens, prends ça. Et voilà, quête complète. Ah là là, ça, c'est la platypus power. Hein. Et c'est quoi mon sort, juste? Ok, ça tire un big trait d'énergie là, je sais pas trop ce que c'est. Oh, par contre, lui il fait des sorts bizarres. Hein. Ça fait un peu longtemps donc je suis un peu quand même déshabitué. C'est normal. What? Non. Donc casse-toi. Et toi maintenant, t'as plus de petits sbires, tu vas mourir. Tiens, quête complète. Non, c'est trop pourri. J'en veux pas de votre œil. Allez, c'est parti. Alors, notre prochaine quête est là. Allez, c'est toutes les mêmes, ok. Il à chaque fois des brillants. Hop. Tu veux bien mourir, s'il te plaît? Tiens, prends ça. Allez, hop. Et lui aussi. Ah, ben, on est déjà niveau 3, ça avance bien. Ben, on va un peu continuer, hein. On a encore quelques temps, même si j'ai perdu la moitié de l'épisode à rien foutre. Mais on va quand même encore un petit peu rester ensemble pour cette petite vidéo détente. En ma compagnie sur Realm of the Mad God. Aïe, c'est mal lui. J'essaye d'éviter les tirs en grande partie, mais c'est dur en même temps de gérer la vie, en même temps de gérer l'esquive des tirs et en même temps de tuer les ennemis. Non, ça. Aïe. Oh, il m'a fait mal. Heureusement qu'il prend cher. Toi aussi, tiens, on va des rétro. Alors, une petite tunique, c'est pas bien. Non, mais aïe! Il prend vraiment mal, hein, ces petits salauds-là. Tiens, d'ailleurs, en plus, c'est ma caisse. On va lui exposer sa face, oui. Ah, voilà. Par contre, toutes ces flèches-là, c'est impossible à éviter. Vous avez vu combien ils sont?
Allez, tiens, meurs. Hop, hop là, boum. Ah ouais, d'ailleurs, je vous ai même pas expliqué en fait, parce qu'il y en a sûrement plein de mes abonnés qui me suivent. Oh oui, cool. Tiens, ça c'est bon. Parce que vous me suivez sans doute pour la Platypus TV, qui est donc, comme je vous l'appelle, une chaîne axée sur Minecraft et la découverte de jeux indépendants. Donc, c'est pour du gaming des temps tranquilles, sans prise de tête genre Black Ops, enfin, les Call of, Battlefield, etc. Non, c'est plus du petit gaming tranquille, aïe. Donc, je vous fais découvrir cette fois-ci Realm of the Mad God. Donc, il y en a déjà de mes abonnés, que je remercie grandement d'ailleurs. Il y en a un d'ailleurs dont le nom est assez étrange, mais que je remercie grandement, qui me suit depuis les... Depuis les 74 abonnés, il me l'a dit à un moment dans les commentaires, j'avais pas fait attention. Eh bien merci à toi, c'est super cool. Et donc tu connaissais déjà... Ah non, tu connaissais pas Realm of the Mad God en fait. Puisque Realm of the Mad God, j'ai fait pour les 50, qui étaient finalement les 60 abonnés. Enfin, c'était assez marrant parce qu'en fait, je fais une vidéo et 50 abonnés, ça c'était marrant. Et puis en fait, le moment où elle sort, j'en avais déjà 60 abonnés. Donc, voilà. Non, ils m'énervent ceux. Leurs attaques sont très faciles à esquiver, mais ils ont beaucoup de vie. Aïe. Je dis qu'elles sont très faciles à esquiver et puis je m'en prends une dans la face. Ouais. Regardez, là, je pense que je maîtrise plutôt pas mal. Et voilà, tiens, prends ça. Alors, notre quête, c'est un gobelin mage. Ok, on va se la faire. Et après cette petite quête, on va se quitter parce que je pense que ça fait déjà bien longtemps. Et dites-moi dans les commentaires si... Enfin, j'en ferai d'office de des vidéos de Realm of the Mad God, vu que c'est un peu le but de ma chaîne, c'est les petits jeux indépendants comme ça. Et des petits MMO, des petits trucs. T3, ouais, ça m'intéresse au cas où je meurs comme ça. Hey, m'a volé mon truc. Non, mais... Elle est gênée. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez. De toute façon, je ferai d'office des vidéos, mais c'est surtout si vous voulez que j'en fasse beaucoup, ou plutôt que j'en fasse une de temps en temps en mode détente. En tout cas, merci d'avoir regardé. On va juste se tuer ce petit hobbit mage. C'est tous des mages. Aïe, il m'a mal vu. C'est pour ça qu'on va le tuer. En fait, c'est marrant le but de ce jeu, ça. En fait, vous rencontrez plein de gens, et le but, c'est de tuer tout le monde. Enfin, bon, allez, hop, on l'a eu. On la prend avant ce petit salaud. Ah, mais il nous l'a pris. C'est quoi ça? 3. Oula. Ah, ok, on peut les ranger comme ça. Ah, ça c'est cool. Bon, bah, les amis, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous plaît, les vidéos Realm of the Mad God, que je reprends parce que j'en ai fait il y a un petit temps. Et là, je me suis décidé, enfin, j'avais très peu d'abonnés donc. Ça touchait pas grand monde et maintenant j'ai 190 abonnés, merci à tous, c'est trop cool. 190 abonnés, c'est vraiment génialissime. Eh bien, je pense que ça touchera un peu plus de public. Maintenant, il y aura plus de monde, je pense, qui apprécieront ce genre de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça me fait plaisir de mettre un petit commentaire sympa, donc de répondre. Au cas où, de vous abonner si vous regardez Realm of the Mad God et que tiens, vous êtes tombé sur ma vidéo. C'est de Nanger Jane et que vous aimez le Minecraft, vous pouvez toujours vous abonner également. Donc, voilà, je m'éternise parce que c'est du combat sans cesse. Donc, on va retourner au Nexus. Allez, salut à tous, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve pour une prochaine fois.